38e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui, eh bien, c'est le tout frais prototype Audi R18 2015 qui a couru aux 24 heures du Mans qui va nous intéresser. Et alors, je vous invite déjà à mettre un petit peu de boule de cire dans vos oreilles parce que le son est assez raté, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop important. On va vous laisser profiter de ça après ma petite explication dont vous avez l'habitude. J'ai été très déçu, beaucoup de défauts sur le mode, même si... Visuellement, la voiture est plutôt réussie, j'étais plutôt surpris. Elle a été adaptée de la R18 qui avait déjà été présentée comme mode sur Assetto. Et le comportement est assez correct, on a vraiment une sensation d'adhérence en virage, on a beaucoup de grip, aérodynamique surtout, et mécanique aussi. Mais sincèrement, j'ai du mal avec le son qui est complètement loupé, donc j'aimerais bien que vous me donniez votre avis sur ce mode dans la description. Et je vous invite tout de même à le tester pour sa physique qui est tout à fait, elle, réussie. On passera sur quelques détails délivrés qui ne sont pas tout à fait réels, etc. Mais au niveau du comportement, c'est assez intéressant. On se rapproche un peu de la Porsche 919 hybride que j'avais testé plus tôt dans la série. Par contre, pas de gestion de moteur électrique, pas de gestion... Enfin, ça manque vraiment de détails. Elle est vraiment brute de décoffrage, cette voiture. Mais ne fût-ce que pour son comportement, elle devrait vous intéresser. Alors les amis, je vous invite à monter le son. Thank you.